Hello et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo carnet de lecture. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de mettre en place à partir du début du Pumpkin Autumn Challenge une série de vlogs qui se passeront sur, on va dire, 5-6 lectures qui feront office de update lecture aussi parce que je peux pas multiplier, les vidéos. Et que j'ai remarqué aussi que je parlais mieux des livres quand j'étais dedans, je venais les finir, tout ça, plutôt qu'en laissant passer une ou deux semaines où du coup c'est un peu réchauffé et ça me laisse trop de temps en fait et je prends moins de plaisir à le faire aussi. Donc on commence, voilà. Hier j'ai mis en ligne ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous mets un petit i ici. Ou là, je ne sais pas, pour vous rendre en fait sur ma pile à lire et voir la multitude de livres que j'ai sélectionnés pour le challenge de Guimauze. J'ai été très inspirée et j'ai envie de lire énormément. Donc allons-y, c'est parti, allons-y gaiement. Alors, j'ai commencé deux lectures déjà. Une lecture commune et une lecture SP que j'ai demandé aux éditions Charleston. Alors on va commencer par celle-ci, que j'ai bien avancé ce matin. Donc on est le 2 septembre aujourd'hui. Hier j'avais lu peu. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est « Quand s'illumine le prunier sauvage » de Soko Shokufe Hazar. Je dois écorcher le nom, c'est sûr. Elle est iranienne. Et elle est née en 1972, c'est cette dame ici, qui a écrit ce livre. Alors, ce qui m'a plu, c'était que ça se passe dans un monde que je connais peu, dont je connais finalement peu les coutumes, et j'avais envie d'avoir une immersion dans cet univers. Alors, j'y suis allée avec bonheur, en me disant « Ouais, j'espère que ça va me plaire et tout ». Et très vite, j'ai été échaudée, je tiens à le dire. Mais je continue la lecture, je m'accroche parce que c'est une écriture très particulière. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, on est en Iran, en 1979, et c'est la révolution islamique. Et ça se passe vraiment très très mal. Donc, les familles, il y a beaucoup de personnes qui sont... enfermées, certaines tuées, donc c'est terrible, il se passe des choses terribles, voilà, donc on parle de ça du point de vue d'une petite fille dont je ne connais pas le nom, voilà, on suit en fait Hushang et Rosa qui sont les parents et leurs trois enfants. La première scène, on parle de la mère qui a des sortes d'hallucinations en montant en haut des pruniers. Donc, c'est un petit peu particulier. On comprend ça assez vite, qu'on a une vision de petite fille, je dirais petite fille, oui, qui est empreinte de la terreur qu'elle subit au quotidien, de la force... de cohésion de sa famille et des horreurs qu'elle subit, et en même temps c'est aussi empreint de mysticisme, d'esprit, des djinns, il y a beaucoup de choses comme ça, de très culturel, et en fait j'ai trouvé que ça faisait, que ça n'avait ni queue ni tête au départ. Je me suis dit, oh là là, mais on est parti dans quoi? Je comprends rien. Voilà l'effet que ça a eu. Et puis je me suis accrochée. Et je m'accroche encore. Hein. Je pourrais l'abandonner, mais comme c'est un service presse, je ne l'abandonne pas et je vais jusqu'au bout. Et de toute façon, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je ne vais pas... en plus, il y a un truc, je ne peux pas vous en parler parce que le personnage central, qui est donc cette petite fille, son frère va être emprisonné, on ne sait pas s'il va être tué... Et elle, pour elle, il va se passer des choses terribles et complètement hallucinantes, en fait. Moi, j'ai du mal à adhérer, en fait. Moi, j'aime bien
je crois que j'aime bien quand on me dit, ok, je vais te raconter une histoire qui n'a ni queue ni tête, qui vit dans un, on est dans un monde post-apocalyptique, on est dans un monde où il y a des esprits, on parle de personnages qui sont des elfes, des fées, tout ça. Ok, j'adhère, je sais qu'il peut se passer des choses bizarres, pas de souci. Et là, on te fait la même chose, mais en même temps, on te parle d'une période historique réelle. Donc, c'est comme si on était dans un univers onirique, mais centré sur une période réelle, voilà, de l'histoire. Et j'ai beaucoup de mal, du coup, à m'accrocher parce que pour moi, en plus, qui ne suis pas croyante, j'arrive pas à accepter qu'on puisse prendre autant de liberté, en fait, surtout pour une période historique si rude et terrible, en fait. Voilà. Donc, je me laisse le loisir de lire la fin. Je voudrais le finir avant ce week-end parce que j'ai pas envie de j'ai envie de lire tellement d'autres choses et j'ai pas envie que ça m'accompagne trop longtemps. Donc, je suis très partagée, vous voyez. L'écriture est assez belle, c'est assez bien écrit, mais pour moi, il y a une... En plus, c'est construit d'une façon bizarre. Dans le même chapitre, on parle de plein de choses différentes, de plein de personnages différents. Bon, bref, il faut que j'arrive à le finir pour ensuite vous en venir, vous en reparler et confirmer ou non ce sentiment que j'ai à ce moment-là. En parallèle, on a commencé à lire en lecture commune Anna Karénine de Tolstoï. Vous voyez cette édition? On en parle de cette édition. Regardez, tout scotché et tout. Je la trouve très belle, la couverture. Cette édition appartenait à ma maman, donc il y a son nom de famille, et elle l'a achetée 5 francs 50 quand elle l'a lu quand elle avait 20 ans. Alors, je ne sais pas, on va voir, à peu près 20 ans, elle m'a dit. Est-ce qu'il y a une date? Non, peut-être à la fin. Parce qu'il y a plein de choses à la fin. Maintenant, j'ai pas de date. Bon, bref, j'ai pas la date de cette édition. Donc, je ne sais pas. Bref, je l'adore. Je l'ai déjà lu, en fait, quand moi aussi, j'avais 20 ans. Parce que ma mère m'a dit, quand j'avais 20 ans, il faut que tu lises. Lis Anna Karénine, ça va te plaire. Et ça m'avait énormément plu. J'ai un souvenir assez vague de... Vraiment de descriptions de sentiments, de passions amoureuses, de torturés, d'esprits torturés, tout ça. J'en garde une très belle image. Et là, donc je replonge dedans avec plaisir. On en est encore au livre premier. La lecture commune a commencé lundi. On en est encore au livre premier. Alors, comme j'ai un autre livre, j'ai décidé hier que j'allais le prendre aussi en audio et je l'écoute en parallèle. Et finalement, c'est pas mal parce que comme c'est quelque chose qui va courir sur 3 semaines, je l'écoute peu à peu. Et quand j'ai envie de le lire, je l'ai aussi sur ma Kindle parce que je l'avais eu pour moins de 1 euro. Et je l'ai aussi en papier. Je l'ai en 3 formats. Mais voilà, ça m'accompagne. Avec grand bonheur, je retrouve les personnages de Kitty, de Levin, voilà, de Anna et de Vronsky. Et c'est génial. Donc, ça se passe en Russie. Et on est. Alors, je ne sais pas trop en quelle année on est. Je ne sais pas si c'est écrit au début, précisément, 1800 quelque chose. Et donc, Anna Karénine n'arrive pas tout de suite. Il y a plusieurs chapitres où on nous parle comment il s'appelle? Stepan. Ah là là, ils ont des noms pas possibles. Je vais essayer de trouver. De Stepan Arkandievitch, qui a trompé sa femme. Et sa femme, Dolly, est adorable. Et en fait, ils sont dans froid. Et
Elle est très tourmentée, ils sont pas loin de se quitter. Et puis on va rencontrer la sœur de Dolly, donc Kitty, qui est amoureuse de Vronsky, mais Levin lui fait sa demande en mariage. Elle aime aussi Levin, mais elle décide de les conduire et de plutôt laisser son cœur pencher vers Vronsky. Mais Vronsky, on se rend compte que finalement lui n'est pas tant amoureux de Kitty et qu'il participe au jeu de l'amour simplement. Bref, voilà. Et Anna arrive là-dedans et le cœur de Vronsky est censé aller du côté de Kitty, mais finalement, quand il rencontre Anna, c'est l'amour fou. Et apparemment, Anna semble aussi être éprise. C'est un univers. C'est tellement bien écrit en plus. C'est trop beau. J'adore. Je sens que ça va être mon petit bonbon de ce début de septembre. Bon, allez, je vous laisse là parce que j'ai pas mal de boulot. Vous retrouve prochainement, dès que j'aurai avancé dans mes lectures. Ce week-end, je vais lire aussi quelques graphiques, donc je reviendrai vous voir. Et je vous dis à plus tard. Bon, c'est pas une année à mûre. Et sinon, on est le soir. Je me bois un petit peu de vin blanc. Mes hommes sont partis chercher japonais parce que ce soir c'est la rentrée. Alors, du coup, on fait japonais, c'est un peu la fête. Et je suis en train de faire quoi? De remplir les fiches pour les enfants parce que vous êtes comme moi, si vous êtes parents, y a 50 000 devoirs à faire en fait. La rentrée, c'est pas vraiment pour les enfants, hein, c'est pour les parents. Donc voilà, allez, c'est pas grave. Courage! Vendredi matin, je me suis réveillée tôt. Et là, je suis en train de faire ma petite balade avant de passer ma journée devant l'ordinateur. J'essaie de faire ça, j'en profite parce qu'il fait beau, apparemment ça va se gâter après. Alors ce matin, je me suis remise là et les deux derniers chapitres que j'ai lus m'ont beaucoup plu. Parce qu'il n'y a plus le point de vue de la petite fille, en tout cas très très éloigné. Et on parle vraiment de la situation en fait avec l'invasion de l'Irak en Iran, les personnes en fait de ce village qui sont engagés dans ce combat et qui vont en fait engager leurs enfants par la force et les perdre, tout ça. Donc c'est très triste. Il y a aussi un moment terrible où les personnes de la révolution islamique brûlent les livres. Et là, c'est terrible. Donc je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait une empreinte historique beaucoup plus forte. Voilà, donc je continue ce matin.
Hello, du lundi matin, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas venue vous voir ce week-end parce que ce week-end j'étais vraiment mais HS de chez HS. Pardon. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire le point aujourd'hui. Je me suis bien reposée hier, c'était cool. D'ailleurs, j'ai pas mal lu et ça m'a fait du bien. Alors, sur Anna Karénine. On en est là, on a lu un tiers en lecture commune. Aujourd'hui, il faut que j'aille voir sur le groupe, voir si les filles ont bien avancé. Je l'ai au début commencé sur ma Kindle. Et finalement, je l'écoute en audio et je trouve ça très agréable parce que c'est très bien lu. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. Et c'est plutôt cool. D'ailleurs, je prends toujours autant de plaisir. Alors, je sais pas si c'est autant de plaisir. J'en garde vraiment un souvenir très émouvant de ma jeunesse où vraiment j'étais embarquée dans les émotions. Là, je trouve que Anna, le personnage d'Anna, m'est un peu plus insupportable. En revanche, j'adore les personnages masculins, notamment Levin. J'ai vraiment un amour sans faille pour Levin pour le moment. Donc, voilà, je me souviens plus en fait. J'ai le souvenir que. J'avais beaucoup aimé, mais vraiment le personnage d'Anna. Là, finalement, elle n'est pas du tout le personnage central et je ne me souvenais pas de ça. Donc, voilà. Donc, j'apprécie beaucoup. J'espère qu'on va encore continuer à suivre Levin et qu'il va réussir finalement à conquérir l'adorable Kitty qui avait vraiment au départ flashé sur Vronsky. Vronsky qui lui-même est amoureux de façon totalement éperdue pour Anna et c'est un amour partagé. Donc cette semaine, je continue avec plaisir la lecture audio et je vous en dirai plus, pas tout de suite parce que on a encore 2 semaines. Alors j'ai fini hier. J'ai fini avec plaisir. J'étais contente de le terminer. Quand s'illumine le premier sauvage de Chokufe Asa. Alors j'en garde un souvenir partagé. Je pense qu'on peut dire que je suis passée à côté, que j'ai pas réussi à rentrer dans la forme et le fond. Est intéressante l'histoire puisque on parle de l'Iran pendant 5 décennies, on va dire, de 1978 à la révolution islamique et puis jusqu'à aujourd'hui. Et on suit une famille qui a 3 enfants. Chaque personnage est très intéressant, mais l'histoire est vraiment extrêmement triste, on s'en doute, hein, c'est vraiment des pays, l'Iran c'est vraiment un pays qui a souffert énormément. Et j'ai adoré les passages où vraiment, elle a vraiment fait des passages du livre où elle parle de l'histoire et des répercussions sur cette ville, comment ça s'appelle? Ils habitent où? Ils sont dans la région montagneuse du Mazan d'Iran et c'est le village reculé de Razan, je ne sais pas comment on prononce. Et il y a des passages très très beaux sur cet endroit-là, qui doit certainement exister, je ne sais pas. Hein. Sur le fait qu'ils ont voulu se protéger et que finalement ils ont été rattrapés et que vraiment ils ont... voilà, on est vraiment dans la réalité de ce qu'a pu vivre toutes ces familles en Iran, les atrocités, des choses terribles. Et à côté de ça, elle nous emmène dans des croyances, dans des... Elle utilise en fait des figures comme les djinns, les djinns, des insectes aussi qui représentent des choses, des esprits, des sirènes. Et là, j'ai pas compris. J'avoue, j'ai pas compris. Je ris, mais en fait, c'est parce que j'ai essayé de comprendre. J'ai pas compris et je n'ai pas apprécié. J'ai pas compris pourquoi elle avait eu besoin de faire ça. Et je n'ai pas été touchée. Moi qui pourtant adore le fantastique, finalement, j'ai pas compris pourquoi elle l'a utilisé et pas complètement, vous voyez, c'est-à-dire que
On navigue entre des parties où c'est très réaliste, d'autres où c'est complètement fou, où on sent qu'ils ont besoin de... Enfin, moi, j'ai senti ça comme un besoin d'évasion vers quelque chose qui était supportable, donc de se raccrocher à des choses, mais que finalement, qui ne sont pas réelles. Et ça m'a énervée plus qu'autre chose. J'ai pas aimé, c'est-à-dire que non, on ne s'enfuit pas dans des choses irréelles pour supporter le réel. Si on ne supporte pas le réel, c'est parce que justement, il est insupportable. Et se raccrocher à des... Alors, c'est pas vraiment des croyances, parce qu'on parle pas d'une famille extrêmement croyante. Au contraire, c'est une famille libre de pensée, qui aime s'instruire. Donc, beaucoup, j'ai beaucoup apprécié les personnages. Mais j'ai pas compris justement le raccord entre ce besoin de s'évader. Si, certainement, il y a un besoin de s'évader, mais moi, j'ai pas réussi à le faire avec elle. Voilà, c'est tout. Alors, ça m'a perturbée parce que je pense que c'est un bon livre et que si vous arrivez à rentrer dans l'histoire, vous allez peut-être beaucoup aimer. Moi, j'ai aimé certains passages. D'ailleurs, vous voyez, il y a des choses que j'ai trouvées vraiment extrêmement belles. J'ai noté, elle fait référence à des écrivains iraniens et je pense qu'elle a une très bonne culture parce qu'elle est journaliste. Et je suis allée l'écouter aussi dans son interview, que je vous mettrai le lien en dessous si j'y pense. Parce que justement, je voulais savoir quelle avait été son envie. Donc voilà. Voilà ce que j'en ai pensé. Je suis passée à côté. Et c'est dommage, mais c'est un beau livre. Essayez, vous verrez peut-être que ça vous plaira. Alors on est dans la lignée hein, quand même de la collection de Charleston. Ça reste quelque chose d'assez historique et avec une histoire de famille. C'est extrêmement triste, je vous préviens tout de suite, c'est vraiment extrêmement triste. Donc peut-être vous supporterez pas bien, quoi. Je sais pas. Moi, je l'ai finalement assez bien supporté, mais ça m'a plus énervé que touché, vous voyez? C'est ça, en fait. Alors, du coup, je suis passée au Chat aux yeux d'or de Silvana De Marì, qui est une autrice italienne que je connais parce que j'ai lu Le Dernier Elfe. Je suis d'ailleurs en train de le relire pour mes enfants et on s'éclate. C'est la lecture du soir. Et c'est de la littérature jeunesse, vraiment jeunesse, mais j'adore. Voilà, c'est trop cool. Enfin, j'adore. Ça se lit vraiment très agréablement. C'est pas du tout léger, hein. C'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Leila, comme la princesse dans la guerre des étoiles. D'ailleurs, je le dis parce qu'elle en a ras-le-bol d'entendre ça. Et d'ailleurs, elle se fait brimer, ouais, c'est ça qu'on dit, par les autres collégiens, parce que tous les profs lui disent: Ah, tu t'appelles Leila, mais quel drôle de prénom! Voilà. Elle a une mère qui est éleveuse de lombrics et qui nettoie aussi, qui fait du ménage, et elle a un père qu'elle ne connaît pas. Donc elle vit dans les marais, voilà, elle est immigrée certainement, et elle fait sa première journée de collège dans un collège qu'elle connaît pas, qui est un peu plus huppé que l'école élémentaire où elle était avant. Et en fait, elle est pas comme les autres. Elle est là, elle est ronde, elle est pauvre, elle a beaucoup de choses qui ne sont pas comme les autres. Et elle se fait beaucoup moquer et l'entrée au collège va être très difficile. D'ailleurs, le premier jour, elle arrive en retard, donc elle s'affiche complètement. Voilà, sa mère a l'air de bosser énormément pour pouvoir l'aider. Elle a l'air de vouloir devenir médecin, donc elle est un peu en retard d'un point de vue scolaire, mais elle essaie de rattraper. Voilà, on s'attache assez rapidement à elle. Et elle va croiser ce chat aux yeux d'or. Et pour le moment, bon, on n'en sait pas plus que ça. Il est très beau et elle le nourrit. Et voilà, elle le rend plume parce qu'il n'est pas très en forme. Et parallèlement, on a une histoire d'un homme avec un chien. Voilà, il l'appelle Fabuleuse. C'est une chienne dont il tombe éperdument raide dingue. À côté de ça, il y a son ancienne amie qui s'en va. Bref, il y a une histoire parallèle avec un homme qui est extrêmement sympathique, qui est d'ailleurs vétérinaire, si je ne dis pas de bêtises. Bon, bref. Et alors, c'est bien parce que pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge, là, on est dans la partie, ça se passe à Halloween, donc on est vraiment à fond dans le sujet. Donc, ben, j'aime bien, je vous en reparle un peu plus sur mon ressenti à la fin.
Et j'ai lu deux mangas aussi ce week-end. Alors, je ne veux pas m'étaler. L'Atelier des sorciers 8, où on suit ce personnage de... Alors là, on suit Coco. On suit également Tarta et Custa. Voilà. Custa, c'est lui. Celui. Non, ça c'est Tarta. Oh, j'ai du mal avec les noms. Comment t'appelles-tu? C'est Custa. Et Tarta. Alors j'ai bien aimé, mais j'étais toujours un peu déçue sur le fait qu'il y ait que ça s'arrête comme ça. Ils sont en train de préparer la fête. Ils sont en train de préparer un stand de magie à la fête de la nuit d'argent. Et Coco en fait va se rapprocher de Custa. Non, c'est Tarta. C'est Tarta lui, hein, le personnage quasiment principal de cette histoire. Son personnage est très chouette. Alors je crois que j'ai quand même plus apprécié que le numéro 7 qui, à mon avis, était un peu plus transitoire. Je sais pas comment on dit. Et ouais, et alors lui, le personnage de Tarta, mais j'adore. Il peut plus marcher, tout ça. Et donc Coco et Custa vont... Ah, Coco et Tarta vont essayer de trouver... de faire en fait de la magie pour l'aider justement à se déplacer. Et voilà, c'est très beau l'histoire avec aussi la personne qui aide, l'adulte qui aide ce jeune enfant. J'ai trouvé ça très chouette. Alors on met de côté Kifrey et la petite brune que j'aime bien aussi, hein, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. Alors c'est, je trouve que ça aurait été bien en fait qu'on ait toute la fête. Et là, il y a que, on parle même pas, ils sont juste en préparatif de la fête. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on étire l'histoire un peu pour voilà, pour faire des volumes. Ça m'énerve un peu. Alors ensuite, j'ai lu dans la partie Feel Good, Le Renard et le Petit Tanuki numéro 2. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Le 3 va sortir, je crois qu'il est peut-être même sorti. Et je pense que quand on l'achètera, je relirai les deux premiers. Parce que finalement, il y a pas mal d'informations. Donc on parle de... On est dans de l'anthropomorphisme à fond. Là aussi, ça aurait pu rentrer dans la partie anthropomorphie. Donc on parle en fait de ce renard. Donc on va un peu plus loin dans l'histoire entre Senzo, donc qui est le renard, et Mampashi, qui est le petit tanuki. Trop chopinou, hein. Il y a aussi pas mal la présence de Koyuki, qui est la renarde blanche, qui s'occupe de l'intendance. Et en fait, il est au départ, le petit tanuki est dans une position difficile, puisqu'il a été en fait emporté par... Donc il a été emporté par un raton laveur, si je dis pas de bêtises, et il va être amené dans une forêt qui est un petit peu hantée par des démons, et on va voir comment ça va se passer. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne se passe pas trop mal. Il y a un passage trop mignon où quand ils reviennent en fait auprès de la renarde, qui est trop mignonne. En fait, de l'autre côté, ils rentrent dans la maison et ils sont en train de manger. Et de l'autre côté, en fait, ça donne sur la rue où il n'y a que des humains. Et donc, pour s'intégrer, en fait, dans la ville, ils doivent prendre l'apparence humaine. Et je vous laisse deviner, c'est trop fort parce que il a beaucoup de mal. Le personnage comment il s'appelle? Senzo. Le personnage de Senzo, il est trop fort parce qu'il est vraiment. On sent qu'il n'a pas envie d'être gentil, quoi. Et en fait, quand le petit Tanuki se transforme, lui-même se transforme, donc il n'a pas le choix. Et donc à un moment, il prend l'apparence d'un homme et il n'a pas envie, quoi. Donc il n'est pas content et ils font des tronches trop chouettes. Mais je ne vous montre pas parce que je vous laisse découvrir. C'est vraiment, vraiment chouette. Et en plus, c'est pas que mignon, c'est vraiment chouette. Alors cette semaine... J'avance, je pense que je vais finir rapidement Le chat aux yeux d'or. J'avance sur Anna Karénine et j'aimerais lire un autre bouquin dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Et dès que j'aurai fini de lire ce second livre, je reviendrai clore ce premier vlog du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, sinon en parallèle, je suis en train de réfléchir intensément à comment je vais faire mon challenge créatif et vous le proposer en vidéo.
pour l'automne. Et donc ça, c'est une vidéo qui devrait sortir assez rapidement. Je croise les doigts. Allez, je vous dis à plus tard. Mercredi matin, je viens de terminer de lire Le chat aux yeux d'or de Sylvana Desmarie, qui est un livre jeunesse, et je peux que vous le conseiller parce que franchement, c'était vraiment chouette. J'ai retrouvé l'écriture de Sylvana Desmarie que je trouve à la fois retenue, riche d'informations, parfois marrante et très réaliste. Je trouve que c'est un récit jeunesse qui est intelligent, qui parle de choses qui sont quand même assez graves sur les différences sociales, sur le paraître, sur, ouais, sur pas mal de sujets, même sur, pas sur l'excision, la fibulation, c'est ça. J'ai du mal avec ce mot-là. Donc, en fait, Leïla, elle vit avec sa mère près des marais et elle est à côté de camps de réfugiés. Notamment africain, et donc il y a une de ses copines, Myriam, qui ne va pas à l'école et qui va subir une fibulation, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un des sujets abordés, c'est aussi abordé, en fait ça se passe à la rentrée scolaire, elle arrive dans un collège où elle ne connaît personne, où elle est tout de suite jugée pour son prénom auprès de ses profs, elle a des profs assez terrible, notamment sa prof d'italien, donc sa prof de langue qui va en fait être très très agressive avec elle. On sent qu'elle a un talent pour l'écriture, qu'elle a besoin de dire des choses, mais elle a du retard en fait en orthographe, en grammaire. Mais comme c'est quelqu'un de très courageux, Leïla, elle va travailler, elle aide aussi sa mère, elle aide dans les marais, elle est très indépendante, elle sait se préparer à manger, des choses comme ça. Et au contraire, ses amis qu'elle va se faire, elle va quand même faire quelques amis, eux vivent dans la soie, quoi. Donc ils sont dans des familles où ils ne travaillent pas, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Donc elle arrive là-dedans et pour elle comme pour les personnes qu'elle va rencontrer et qui vont devenir ses amis, c'est une vraie claque de les rencontrer. Et c'est écrit avec un point de vue enfantin, donc on est vraiment sur du point de vue de Leïla. Et elle est accompagnée de ce chat aux yeux d'or qu'elle croise souvent sur son chemin. Et il y a aussi l'histoire d'un chien, d'un Basset-Hound. Alors j'ai regardé en fait à quoi ressemblait parce que je suis très très mauvaise en race de chien. Et donc c'est pas très beau comme chien, c'est marrant parce que en même temps on comprend. Et alors elle s'appelle Fabuleuse et j'adore, c'est trop fort. Il y a une histoire autour de cette Fabuleuse. Et d'un vétérinaire qui au départ est le propriétaire de cette chienne et Leïla en fait va l'accueillir dans sa maison. Il y a toute une histoire, il y a plein d'histoires qui se mêlent, s'entremêlent, mais de façon c'est pas brouillon, c'est intelligent, ça amène à une réflexion, c'est autour des fêtes aussi, tout se passe autour des fêtes, autour d'Halloween, de Noël. Et on sent qu'il y a quelque chose d'important là-dessus, voilà, les sorcières, il y a toute une réflexion là-dessus. Donc ça aborde plein de sujets, la vision de la femme, beaucoup, mais de façon assez sous-jacente. Et finalement, mais c'est, quand on a fini de lire, on se dit, mais en fait, ça a abordé vraiment beaucoup de sujets, ça sensibilise beaucoup. Donc je vous le conseille, je le conseille à vos enfants. Moi, je pense que je vais le faire lire à Joseph. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, tout ce que je voulais dire. C'est un peu brouillon parce qu'en même temps, il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, beaucoup aimé, une très belle lecture. Je le mettrai dans la partie animaux fantastiques. Je sais pas encore dans quoi je vais le rentrer dans mon Pumpkin Autumn Challenge parce que ça aborde différentes choses. Notamment le féminisme, tout ça. Les croyances, les sorcières. Donc, je vais voir. Je sais pas encore. Bon, je dois aller chercher des gâteaux. Sur la route, il y a la librairie, donc je crois que je vais passer faire un tour à l'intérieur. Et peut-être si je peux vous montrer un petit peu les pépites qu'elle a. Puis voilà, c'est tout. Bon, bah, j'ai pas filmé parce que j'ai papoté, mais j'ai acheté deux choses et je vous en parle à la maison. Donc voilà les deux livres que j'ai achetés déjà.
Apaiser nos tempêtes de Jane Higland, parce que ça, je mourais d'envie de l'avoir. Donc il est sorti et j'étais très contente de le trouver chez ma libraire. Du coup, je l'ai pris. Ça parle de parcours de femme. Donc je vais voir si je vais pas le caler. Si je vais pas le caler dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Je vous laisse regarder le résumé. C'est le second livre seulement de Jane Higland qui est traduit en français. Et regardez, elle m'a mis un petit marque-page de. Donc ça, c'est Vert Paradis, c'est la librairie où je suis allée. Et il est trop chouette, ce marque-page. Et puis, elle m'a conseillé Dalva de Jim Harrison. Alors, Jim Harrison, en fait, j'ai Légende d'automne dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Mais elle m'a dit que c'est ça, c'est son chef-d'œuvre. Et que vraiment, si j'aime le nature writing, ça va me plaire. Et que, en fait, elle m'a parlé de Dalva, parce qu'elle m'a parlé d'une maison d'édition dans laquelle elle voulait me faire découvrir un livre, mais elle ne l'avait plus en stock. Et donc, la maison d'édition s'appelle Dalva. C'est une nouvelle maison d'édition qui propose que des auteurs féminines. Et donc, du coup, je vais le lire, et puis je reviendrai découvrir chez elle cette maison d'édition, et je vais aller me renseigner un petit peu plus. Hello du jeudi matin, il est 6h20, comme vous avez vu. En fait, c'est une journée déplacement pour moi. Je vais à Lyon pour le travail. Qui dit journée de déplacement dit nuit très courte. J'ai pas bien dormi du tout, finalement, ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, qui dit lecture aussi. Alors, avant de partir, je vous montre, j'ai lu le premier tome de Demon Slayer, parce que mon fils Simon est un grand fan et qu'il m'a dit bah t'as rien à lire, là j'avais rien à lire de spécial à un moment, il m'a dit bah c'est le moment de lire ça, essaie. Et donc c'est un manga de Kimetsu no Yaiba, non, de Koyoharu Gotouge. Je pense que Kimetsu no Yaiba ça veut dire Demon Slayer. Et c'est aux éditions Panini. Et j'ai bien aimé le premier. Franchement, c'était pas mal. C'est l'histoire de Ketsuke. Netsuko, c'est sa sœur. Et lui, c'est Tanjiro. Tanjiro et sa sœur, en fait, au départ, ils vivent seuls avec leur mère et frère et sœur. Et donc lui, après, il a pris le relais. Le relais de son père qui apparemment est mort à la guerre, je pense. Et donc, du coup, il est très courageux. C'est un jeune enfant, je dirais que là, il a 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Et puis, il y a des démons qui traînent. Il sait ça, donc la nuit, il ne doit pas rentrer tard. Et donc, il fait pas mal de choses. Il bosse pas mal, et puis pour sa famille. Et un soir, il rentre pas chez lui parce qu'il est trop tard, donc il est accueilli chez quelqu'un. Et quand il rentre le matin, il découvre toute sa famille morte, décimée, c'est horrible. Sauf sa petite sœur. Mais il se rend compte qu'elle est devenue démon. Mais pas un démon comme les autres. Parce qu'au départ, on pense qu'elle va l'attaquer, et finalement, non. Donc lui, il essaie de la sauver, et donc il l'emmène, il part, et puis sur son passage, il va rencontrer plusieurs personnes, dont un jeune homme dont je ne me souviens plus du nom, lui là, qui est un pourfendeur de démons, et qui lui dit que son attitude ne va pas, et qu'il va falloir qu'il se renforce s'il veut pouvoir l'aider. Et puis finalement, il va l'envoyer auprès d'un monsieur qui va le former. Donc c'est celui-ci qui a le masque. On ne sait pas quel âge il a. Donc il va l'envoyer auprès de lui pour qu'il le forme. Et il va le prendre sous son aile pendant de longs mois. De longs, longs mois. Et il lui apprend tout.
Puis il le laisse, il lui dit, bon, bah, je t'ai tout appris, je peux plus rien t'apprendre, maintenant tu peux me couper ce rocher énorme en deux. Et si tu arrives à faire ça avec ta lame, ça veut dire que ce sera bon, tu seras devenu un pourfendeur de démons. Ce que lui, il comprend pas, donc il passe un moment et il est rejoint par deux autres pourfendeurs de démons qui vont l'aider et lui apprendre à respirer convenablement, à se déplacer. Et alors Tanjiro, il a l'ouïe très fine. Donc du coup, ça va lui permettre en fait d'avoir un avantage sur ses adversaires. Et voilà, donc finalement, il y arrive. Il laisse sa sœur auprès de son maître, parce qu'elle s'est endormie en fait. Depuis des mois et des mois, elle est endormie. Et on va voir si la suite va pouvoir l'aider, parce que c'est ce qu'il veut. Et alors, il y a vraiment une transformation physique de Tanjiro pendant ce tome. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, quoi. C'était vraiment bien fait. Alors, il y a 18 tomes, je crois, aujourd'hui, quelque chose comme ça. Simon va en avoir pas mal. Je crois qu'il va en avoir jusqu'au 13, là. Donc, on a quasiment toute la collection. Je vais voir si je lis la suite, peut-être. J'ai aussi lu le premier tome, Dirtstopper, de Alice Osman, qui fait le buzz sur BookTube et sur Bookstagram. C'est quoi comme édition ? Hachette, roman. C'est un roman graphique, le premier tome de cette histoire d'amour entre deux garçons. L'un qui a dit, on sait qu'il est gay, mais on sent qu'il a subi pas mal de moqueries et de harcèlement par rapport à ça. Mais il l'a avoué, quoi, donc c'est plutôt cool. C'est Charlie, le brun, là, avec ses cheveux en bataille, qui a beaucoup de charme. Et il va rencontrer Ben, c'est ça. J'ai du mal avec les noms, hein. C'est pas grave. Il va rencontrer Ben, qui lui est un hétéro pur et dur, un rugbyman. Et il va tomber amoureux de lui. Et en fait, c'est l'histoire de cette rencontre entre ces deux jeunes qui sont très amis et voire plus, et de leur réflexion par rapport à ces prémices de sexualité, quoi. Donc, cette attirance qu'ils ont. Alors, je trouvais que c'était mignon. Pas si incroyable que ça, mais plutôt sympathique. Je sais pas si je lirai la suite, en fait. Pas, j'en suis pas là. Pour moi, c'est sympa. C'est vraiment une romance, en fait, hein. Homo. Bon, c'était mignon. Je sais pas quoi dire de plus, en fait. Les dessins sont plutôt sympas. La construction un peu déconstruite des bulles est aussi sympa. Je vous filmerai un petit peu. Le travail du regard, notamment sur Charlie, là, c'est plutôt chouette. Vite fait, parce qu'après, il faut que j'y aille. Et alors, donc, hier soir, je dormais pas. Et je n'avais pas ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge sous la main. J'avais la flemme de descendre, de réveiller mon homme, tout ça. Donc je suis allée piquer un livre de ma pile qui n'est pas dans le Pumpkin Autumn Challenge. C'est Chanson douce de Leila Slimani. Et j'en ai lu un peu. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est une édition NRF Gallimard. C'est pas mal, j'hésite à le prendre dans le train. Parce qu'en fait, j'ai mis dans mon sac à marche forcée. Et je me demande si je vais pas plutôt prendre celui-là. Voilà. Donc, je vais prendre cette décision-là et puis je vais y aller. Et je vous emmènerai peut-être un petit peu. Je vais pas me balader dans Lyon. Hein, donc, je sais pas si ce sera très intéressant pour vous. Voilà. Bon, allez. Je me souhaite bonne journée. Thank you.
toujours envie de jeter mon panier les bonnes choses, c'est pas mal, donc. Hello du jeudi soir en direct de mon lit. Vous savez que j'adore ça, hein, c'est super sympa. Il fait super chaud ce soir encore. Hier soir j'ai très mal dormi à cause de ça aussi. Là on essaie de faire un petit peu d'air, donc il y a le ventilateur. Chaud, il est tôt, mais je suis crevée parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je me couche et tôt. Je voulais juste vous parler un tout petit peu de Chanson douce de Leïla Slimani parce que c'est un coup de cœur, je m'y attendais. Je savais qu'en fait, en commençant par un autre livre que celui-là, c'était pas forcément la bonne idée, parce que j'ai lu avant Le parfum des fleurs la nuit, c'est ça, et qui est plus de l'ordre de l'essai, des réflexions personnelles. Là, c'est un roman qui fout la frousse, quoi, mais en même temps, un roman sombre, noir, psychologique, sur une famille, un couple qui a deux enfants et qui est en pleine réflexion sur sa propre, chacun sa propre personnalité, le manque de liberté quand les enfants arrivent, le changement dans la vie de couple, l'envie de continuer à travailler ou non, et puis s'occuper de ses enfants ou faire appel à une nourrice. Et là, c'est ce qu'ils font, ils font appel à une nourrice, et elle est un petit peu particulière, et on voit son point de vue aussi, et c'est très très intense, très intime, intense, surprenant, c'est génial, j'adore, quoi. J'en ai vu une bonne partie dans le train, je vais continuer un petit peu là, mais comme je suis crevée, je pense que je vais m'endormir dessus. Et je suis trop contente en fait. Je ne l'ai pas du tout prévu dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais je pense que je vais le mettre genre dans la partie famille. Pas mal, non? On va voir. Parce que ça commence très mal en fait. Une des premières scènes, c'est que les enfants, on les retrouve quasiment morts tous les deux. Il y a deux enfants, il y en a un qui est mort, et la petite fille, elle ne l'est pas vraiment, mais elle n'est pas loin. Donc peut-être dans la partie thriller, je ne sais pas, bref. Mais je vais le caler. Je pense, parce que ouais, c'est pas mal. Voilà, donc je vous laisse avec ça et je me laisse avec ça. Et je pense que ce vlog se terminera avec la lecture de celui-là. J'ai commencé le tome 2 de Anna Karenine sur Audible. Voilà, donc j'avance. Je pense que je le terminerai la semaine prochaine. Il me reste à peu près 10 ou 11 heures de lecture. Voilà, donc on fera un point quand j'aurai fini de lire Chanson douce, et je pense qu'on va clore le vlog avec. Je vous laisse là et je me souhaite une bonne nuit. Allez, bye bye. Samedi matin, bonjour, j'ai bien dormi, j'ai enfin fait une nuit complète, c'était très agréable. Ce matin, je viens de terminer Chanson douce de Leïla Slimani aux éditions Gallimard NRF, et bah c'était vachement bien. Franchement, c'était vraiment chouette. J'ai un sentiment quand même, la fin elle m'a un peu déçue. Il y a une tension pendant tout le livre. Bon, je n'ai pas envie forcément de vous raconter l'histoire, mais en plus, je pense que j'ai déjà fait un peu. C'est-à-dire que c'est ce couple avec ses enfants qu'on sait qu'ils vont se faire assassiner, et certainement par la nourrice. Donc en fait, on sait déjà quasiment tout. On est par contre sous tension de ce dénouement jusqu'à la fin. Et à la fin, en fait, c'est très froid aussi. Mais en fait, finalement, c'est pas si mal, parce que je vois pas comment elle aurait pu terminer autrement. Mais du coup, ouais, c'est rien n'est résolu. En fait, ce qui est bizarre, c'est que on laisse le couple est laissé de côté à la fin. On sait pas vraiment ce qu'ils pensent.
Voilà, donc tout ce que je voulais dire. Bah, je vous laisse là, j'ai un petit garçon qui est réveillé et qui va prendre son petit déjeuner. Hello. On est samedi en début d'après-midi. Je dois faire pas mal de cuisine pour préparer des gâteaux d'anniversaire. Le gâteau d'anniversaire de mon fils Simon pour ce soir, la Charlotte au chocolat pour demain midi. J'ai pas mal de trucs et j'aimerais bien me poser un peu. Et je me suis dit que ce serait pas mal de clore le vlog ici en vous montrant ce que je suis allée récupérer ce matin, une commande Vinted que je suis allée récupérer en point relais. Et voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Donc je vais poser le téléphone, même si le plan est très moche. Je sais que quand je filme comme ça, vous entendez la route qui est derrière moi, donc je suis désolée, mais c'est juste que en fait à l'intérieur il y a le dessin animé de mon fils et je crois que c'est pas mieux. Ouais. Donc vous savez que, enfin vous savez, peut-être si vous me suivez, vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que j'ai adoré Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Et du coup j'avais envie de trouver un autre de ses livres et je suis allée voir sur Vinted s'il y avait des personnes qui en avaient, tout simplement. Et donc j'ai trouvé une personne qui avait Rose Royale. Suivi d'une autre, en fait ce sont des nouvelles, et donc c'est suivi de La retraite du juge Wagner. Voilà, des nouvelles de Nicolas Mathieu. Oh là, j'ai un chat qui arrive. Salut mon chien, tu viens faire mes câlins? Bim. Bref, donc du coup j'ai trouvé celui-ci. Et franchement il est en très bon état. C'est la collection Babel. Et du coup j'ai très hâte de le lire. Je sais même pas trop de quoi ça parle. Si, c'est l'histoire d'une femme cinquantenaire, 50 ans passés. Elle a bien morflé et donc voilà, elle se pose. Bref, elle réfléchit sur sa vie. Et j'ai très envie, ça m'intrigue. Hein. Du coup, voilà, j'ai très envie de le lire, mais je vais me retenir parce que c'est pas prévu pour le moment. Je peux peut-être essayer de le caler quand même dans le Pumpkin Open Challenge, parce que ça m'a l'air très court. Chronique d'une passion piégée. Rose Royale retrace l'histoire implacable d'une femme décidée à rendre les coups. À voir. Et donc du coup, j'ai regardé ce que la personne avait dans sa bibliothèque également, et j'ai trouvé un Jean-Paul Dubois qui s'appelle « Tous les âmes n'habitent pas le monde de la même façon », qui est le prix Goncourt 2019 en plus, donc voilà. Et en fait, je l'ai pris celui-là parce que j'en ai entendu parler de Jean-Paul Dubois sur le compte de Flowfly. Et je me demande si j'en ai pas entendu sur le compte des Chroniques du Hérisson aussi. Et donc j'étais assez curieuse de découvrir, donc j'ai pas forcément lu quelle était l'histoire. Et je ne vous lirai pas tout de suite, mais je vous en parlerai quand je le lirai. Et ce sera peut-être pas tout de suite quand même. Mais du coup, je suis très intriguée de savoir connaître un petit peu ce qu'il en est. Et j'ai pris Pastorale américaine de Philip Roth. Et là, j'avoue que je pense que je l'ai peut-être. Mais je me suis dit que c'est pas grave, je le reprenais parce que franchement, il est quasi neuf dans Folio. On entend vraiment tous les bruits, je suis désolée. Voilà. Donc franchement, il est quasiment... Il y a juste une petite pétouille ici, là. Mais sinon, il est quasiment neuf. Et il était genre à 2 euros, un truc comme ça. Donc, j'ai pas réfléchi longtemps et je l'ai pris, et figurez-vous que je n'ai jamais lu en fait. Oui, donc voilà, c'était mes petits achats Vinted du jour. Et j'ai un second chat qui arrive. Bonjour les chats, comment il va ces chats? Ça c'est Pichoun. je vais vous laisser là. Du coup je pense qu'on va clore ce vlog ici. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir certains livres. Je vous remercie pour les échanges qu'on a en commentaire, notamment sur ces livres, les conseils que vous me donnez, c'est toujours précieux, je note tout, et c'est trop chouette. Donc j'aime beaucoup ces échanges qu'on a sur la lecture, et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous appréciez, ce que vous aimez pas forcément dans les vlogs comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais que c'est pas forcément les mêmes personnes qui me regardent sur mes vidéos créatives et sur mes vidéos lectures. Donc, et puis n'hésitez pas à me dire aussi comment vous avez découvert ma chaîne si c'est pas le cas. Ça m'intéresserait de savoir. Voilà, parce que j'aimerais bien justement élargir mon audience entre guillemets aux personnes qui lisent. Et j'aimerais savoir si c'est le cas pour vous, si vous m'avez connu par les loisirs créatifs ou par ces vidéos lectures. Je vous laisse là, je vais boire mon café et aller faire un peu de pâtisserie. Allez, portez-vous bien!